Bonjour à tous, c'est Tato 14, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Virtual Regatta Down Under. Aujourd'hui c'est le deuxième et dernier épisode de la course Down Under, puisque j'ai pas pu en faire avant la fin, et puis tout simplement la course est finie depuis un petit moment. Mais on va quand même résumer ce qui s'est passé, beaucoup de choses. Là où est-ce qu'on s'était laissé, c'était vers ici. Il s'est passé énormément de choses depuis, donc on va déjà commencer par faire le classement, ça va être plus simple comme ça. Alors donc dans le classement, donc on va avoir aux amis, ouais, d'abord. Alors donc dans les amis, dans ceux qui ont donc ceux qui ont gagné, voilà, celui qui a gagné donc c'est Crypt91 PYR devant, donc 21h devant Tom 510. Après on a Normal61 qui a fini pas loin derrière Tom. Speed01 qui finit à 2h de Normal61 et moi-même qui finit à 8h de Speed01. Après, après moi, donc il y a Drus qui est arrivé 3h, ensuite il y a Hugo7 qui est arrivé un peu plus loin. Après il y a Batisto85, Perussi27, Kiki49, et puis voilà. Donc c'est pour le classement des amis, donc nous on finit finalement 5e de ce classement. Donc voilà, donc on va passer au classement mondial. Et donc c'est Yuwamsa qui gagne la course avec 38 minutes d'avance sur Toppen, Batcalo, Marsouin, 56 TPN. Ça c'est serré, hein. Redvin, donc 52 minutes, Lostbuster à 54 minutes, KLM à 58 minutes. Et après ça passe la barre d'une heure avec Smile Efra qui avait gagné l'étape de la Lorient Solo si je me rappelle bien. Puis après voilà, ça continue. Et puis donc nous on est arrivé 2894e, et vous voyez la personne qui arrivait devant nous, elle est arrivée moins d'une minute avant nous. Et je suis arrivé en même temps qu'une personne, exactement en même temps. C'est assez incroyable. Mais je sais pas pourquoi est-ce que d'ailleurs j'ai été mis devant, mais bon. Voilà. Donc ça c'est pour le classement mondial. Donc du coup je vais tout de suite montrer un petit peu ce qui s'est passé. Donc on va être Crips, Tom, Normand, Speed 01, Idrus, comme ça c'est pas mal. Alors oui, du coup ça fait un petit peu bordélique, donc non, on va mettre faut que je trouve la bonne trajectoire. Mais au pire je vais expliquer carrément, c'est plus simple. Donc mes amis, donc on va toujours désactiver, ce sera plus simple comme ça. Bon, tant pis. Donc alors nous on avait le bateau qui était là. Ah oui, voilà, donc nous on était, alors si je me rappelle bien, on est arrivé comme ça au niveau de la bouée. Alors oui, on avait fait une aile de mouette au nord, voilà, c'est notre trajectoire ici. Donc ensuite on a tenté de redescendre, on est dessus normalement, donc on avait pris les ventes bien. Donc après, alors là ici, donc j'avais tenté d'aller assez loin, je crois que j'étais là, voilà, ensuite je suis baissé comme ça. Et là, je me suis retrouvé, j'ai failli m'échouer en face, que c'était assez compliqué le passage de la bouée. Ensuite, je suis redescendu, j'étais un petit peu trop loin, hop, je suis repassé, je suis remonté. Et là, je suis monté assez haut, je suis d'ailleurs là, ce qui a monté assez haut, je suis monté là. Et je me rappelle, j'avais un peu de retard par rapport au classement, si on est logique, Tofoski, non, ça c'est le local, je vais avoir un peu de retard sur, alors qui était-ce, donc c'était
Peut-être Speed et Norman F61. Ouais, ça devait être ces deux-là. Puis il y avait Batisto 85, mais il a eu un problème. Il est arrivé beaucoup plus tard. Je crois qu'il s'est échoué. Et donc, du coup, ouais, avec ces trois-là, c'était la grosse bataille. Et puis il y avait M60. Est-ce qu'il est arrivé d'ailleurs? M67, je sais plus comment il s'appelait. Mais en tout cas, on s'était mis une grosse bataille avec lui aussi. Donc du coup, on avait été là, on avait après derrière, bon, ça avait été. On avait rattrapé, on avait même pris un peu d'avance. Et alors là, en fait, après, il y a eu deux transitions météo avant la fin de l'étape. Il y a eu une première où on a été, il y avait un anticyclone ici, donc du coup, on a été l'enroulé. Après, moi, je pouvais pas, donc du coup, j'ai dû me retrouver Vando, ça m'a fait perdre un peu de temps. Après, derrière, on a continué, donc on était là, on était 2139e, et avant, le jour d'avant, on était 2200, donc clairement, on a fait que de gagner des places. Et le jour encore avant, on était 3200, donc j'ai gagné des places, je gagnais des places toujours, malgré la petite perte de temps que j'ai eu là. Et puis, alors là, ici, est arrivé, donc là, un moment où j'ai fait un petit peu de mise pendant un temps, bon, j'ai perdu encore une fois un peu de temps, j'étais 1900e à 74e. Et après, du coup, on a de nouveau re-enroulé. Clairement, il y a eu. En fait, ben, c'est l'anticyclone, en fait, je l'ai suivi. Ou alors, c'est qu'il y en avait deux assez proches. En tout cas, il y avait deux zones de transition de vent. Ça, c'est sûr, car à chaque fois, j'ai fait deux descentes, simplement. Puis, alors, après, on est arrivé sur une autre zone encore. Ou alors là, en fait. Donc là, on a redescendu. Et là, en fait, j'ai mal évalué mes options. Car j'aurais pu tenter d'aller passer ici ou alors d'aller comme je l'ai fait mais beaucoup moins au nord et de virer plus tôt pour ne pas être embêté parce que j'ai perdu du temps là. Donc du coup on continue et en plus j'ai fait une erreur. C'est que quand j'ai réglé mon cap par ici, j'ai réglé avec le SPI. Et je trouvais assez bizarre parce que j'avais un angle vent de 80 degrés, enfin je devais avoir dans les 80 degrés. Et donc, du coup, ça faisait un angle vent assez important pour le phoque. Et c'est que plus tard que je me suis rendu compte que ben, j'ai pas la bonne voile. Et donc, du coup, c'était logique. Donc, après, derrière, j'ai repris. Mais ça m'a fait remonter déjà un petit peu plus au nord. Mais le pire dans tout ça, ça a été ici, tout simplement. Car vu qu'ici, c'était en pleine nuit, eh ben, du coup, j'ai pas tourné. Et donc, du coup, ceux qui avaient été par là et qui ont redescendu comme ça, ou comme ça qu'on fait le zigzag, ils ont perdu moins de temps, donc là clairement j'ai fait une erreur stratégique. Ce qui fait que je finis 2900e, donc après derrière je suis remontée. Et voilà. Donc dans l'ensemble une bonne course, hein, c'était bien. Un parcours assez technique hein, quand même. Il fallait d'abord ici, donc j'ai en pleine nuit, donc c'était assez compliqué. Mais ensuite fallait bien passer en dessous la Tasmanie. Après ici, le passage très compliqué à la Nouvelle-Zélande. Les plusieurs changements météo qu'on a eu dans la mer du Tasman, qui étaient assez intéressants, c'était bien stratégique. Et puis après, donc l'arrivée à Adélaïde. Donc voilà, donc on a fait le tour de la course. Et puis on fera des vidéos sur Race for Regatta, donc lorsque la prochaine course se fera. Sachant que, pour vous dire, parce que j'allais pas faire les deux en même temps, donc pour la Rock Cabian 600... J'ai fini 3900e dans les 3900. Et donc voilà, donc pour l'instant il n'y a pas d'autres courses de prévu. Donc j'espère qu'il en arrivera d'autres vite parce que c'est super. Virtual Regatta, c'est un super jeu. Donc voilà, donc moi je vais vous dire à la prochaine. Salut !